Depuis les élections présidentielles en juin 2013, les signes d'ouverture du nouveau président iranien à l'égard de la communauté internationale se multiplient. Le 18 septembre dernier, le régime iranien a également décidé de libérer Nasrin Sotoudeh, éminente militante des droits humains, ainsi que 11 autres prisonniers d'opinion. Mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur du pays ? La situation des droits humains s'est-elle améliorée depuis les élections ou au contraire, les Iraniens subissent-ils de plus en plus de répression ? Quels espoirs peut-on avoir pour le respect de la dignité humaine dans ce pays où le nombre d'exécutions par habitant est encore le plus élevé du monde ? Afin de faire le point sur les droits humains en Iran, l'ACAT Luxembourg et Amnesty International Luxembourg organisent une conférence débat avec M. Mahmoud Amiri Mogadam, fondateur et porte-parole de l'organisation non gouvernementale Iran Human Rights, qui surveille les violations des droits humains en Iran.